J'ai rencontré le directeur de la police de La Réunion, Monsieur Lebon, pour bien sûr le devenir du commissariat du port, mais pour faire un point sur la situation en général de la police, qui est un corps qui est extrêmement important à La Réunion, puisque la police compte 943 personnels. Évidemment, nous avons parlé du commissariat du port, qui est un commissariat où aujourd'hui il y a près de 112 personnels qui y sont et qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas les meilleures conditions qui soient, quant à la confidentialité des victimes qui viennent déposer plainte, quant à aussi pour le personnel lui-même. Et depuis très longtemps, ce commissariat doit être il doit y avoir un nouveau commissariat qui doit être construit, puisque les locaux dans lesquels se trouvent les policiers du port, eh bien c'est un local qui appartient au conseil départemental, et il y a l'opportunité au port d'avoir il y a un terrain qui est là, qui appartient à l'État et qui devrait servir à construire un commissariat moderne qui corresponde aux besoins de la population, aux besoins bien sûr du personnel qui y travaille, parce que c'est la vie passée sur ce lieu de travail. Et nous savons qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre au mois de novembre, parce qu'il y a le plan triennal où l'on doit pouvoir présenter une proposition de construction d'un commissariat au port. J'espère que le gouvernement prendra en considération la nécessité d'avoir un commissariat digne de ce nom pour le port. Étant donné aussi que l'on m'a parlé de Saint-André, où les travaux vont bientôt commencer. Et ça, c'est juste aussi parce que c'est toute cette région Est qui est gérée par Saint-André, est une ville de 50 000 habitants, de plus de 50 000 habitants, qui est gérée aussi par la police. Et c'est juste que Saint-André ait enfin son commissariat.